Bonjour tout le monde, on est backstage au défilé de Diane von Furstenberg à New York à la Semaine de la mode avec Résémé et Maïna qui est en train de créer un look vraiment particulier. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour le look? On enroule la mèche sur elle-même et ensuite on l'enroule autour d'un petit fer. Okay. Une fois défait, on les brosse. C'est encore dans le même esprit de créer des looks qui sont naturels, qui sont fluides. Oui. Le but, en fait, c'est que la mannequin n'a pas l'air d'avoir eu un brushing ou d'avoir été vraiment coiffée. Merci beaucoup, Maïna. Et un peu plus tard, on va se retrouver au Salon Très Aimé pour te recréer ce look-là sur moi. J'ai vraiment hâte. À tantôt tout le monde, moi je m'en vais voir le show. Belle excité. Les couleurs vives et imprimés floraux, avec des touches métalliques, ont pris d'assaut ce défilé inspiré des années 70, comme si les tropiques s'y étaient invités. Les cheveux ondulés semblaient frais sortis de la plage et complémentaient parfaitement le style. Maintenant, il ne me reste qu'à consulter Maïna pour me l'approprier. Donc, premièrement, je vais utiliser Création thermique de Tresemmé, la mousse volumisante. Ça va protéger ton cheveu parce que c'est activé par la chaleur. On en met quand même beaucoup. Et je viens l'appliquer de la racine aux pointes. Ça va aussi aider à gonfler ton cheveu, à le gainer. Si on est pressé, on est mieux de sécher au séchoir. Ça, c'est déjà sèche. On va séparer les cheveux en plusieurs parties. On enlève tout le haut. Il faut prendre le temps de friser chaque mèche. Parfait. Je l'enroule par-dessus. Oui. Mais quand on sera sur le haut de la tête, je vais l'enrouler par en dessous. Ce look-là, en fait, le volume est vraiment ici au lieu d'être sur le dessus. Pour ajouter de la brillance, je vais utiliser le produit Tresemmé Pâte Frizzotti ultra léger. Donc, ça va pas alourdir le cheveu, ça va pas non plus le graisser, ça va juste donner une belle brillance. Frotte et je viens l'appliquer dans ton cheveu comme ça. Okay. Et là, la partie vraiment agréable, c'est le brossage. On veut vraiment défaire la boucle. Si on peut brosser vers le haut pour donner plus de volume ici. Mais ici, on le garde vraiment lisse. Et je le finis dans les pointes, comme ça. Pour la finition, je vais prendre le Tresemmé Perfectly Undone Wave. Donc, encore une fois, le fixatif qu'on adore. Alors, un nuage comme ça ici. On en met aussi par en dessous. La racine pour bien plaquer ici. C'est magnifique. Ouais. Ça suit le mouvement vraiment, tu vois. On dirait que c'est mes cheveux naturels qui sont frisés. Là, t'as l'air d'une star de cinéma.